Et la Bible parle de nos vies. Donc, en fait, la vie de Job peut aussi parler à nos vies. Alléluia. Voici ce que Job dit au chapitre 6, au verset 1. Mais Job prit la parole et dit: plaise à Dieu que mon indignation soit pesée, et qu'on mette ensemble dans une balance ma calamité. Car elle serait plus pesante que le sable de la mer. C'est pourquoi mes paroles sont englouties. Parce que les flèches du Tout-Puissant sont sur moi, mon esprit en suce le venin, les terreurs de Dieu se dressent en bataille contre moi. L'âne sauvage brait-il auprès de l'herbe? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Donc là, on voit que Job, en fait, se compare à un animal. Je disais tout à l'heure, on a chacun nos souffrances. C'est la vérité. On a chacun nos larmes. Mes larmes ne sont pas les larmes de mon frère qui se trouve à ma droite. Amen. Les larmes ne sont pas les larmes, c'est pas pareil que les larmes de ma sœur qui se trouve devant moi. Alléluia. C'est des réalités. On vit des souffrances en Christ. Et parfois on se demande, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis tout ça? Et Job en était à un niveau où il se comparait à un animal. Job souffrait tellement qu'il préfère dire que même un bœuf, hein. Ouais, le bœuf, hein. Le bœuf, nous, on le mange. Nous, on mange, mais même, il dit que même le sort du bœuf, il était mieux que le sien. Et il continue. Il dit, au verset 6, mange-t-on sans sel ce qui est fade? Trouve-t-on du goût dans un blanc d'œuf? Mais pour moi, les choses que je n'aurais pas seulement voulu toucher sont des saletés qu'il faut que je mange. Et là, on va vraiment se concentrer sur le verset 8. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a chacun dit au Seigneur. Plaise à Dieu que ce que je demande m'arrive. Et que Dieu me donne ce que j'attends. Qu'il plaise à Dieu de me réduire en poussière. Qu'il laisse aller sa main pour m'achever. Mais j'ai encore cette consolation, quoique la douleur me consume et qu'elle ne m'épargne point, je n'ai pas transgressé les paroles du Saint. Alléluia. Là, Job dit en gros, Seigneur, tue-moi. J'en ai marre. Et je crois qu'on est plusieurs ici à un jour à avoir dit, Seigneur, j'en ai marre de ma vie. Seigneur, j'en ai marre de me réveiller le matin avec la tête plus grosse que tout mon corps. Seigneur, j'en ai marre de dormir et d'être tourmenté dans mes pensées, dans mon cœur. Seigneur, j'en ai marre de voir les nuages toujours sombres, toujours noirs. Seigneur, tue-moi. Seigneur, enlève ma vie parce que j'en peux plus. Job était un homme pieux. Il savait que le suicide, c'est interdit. Amen. Hein? Job savait qu'il ne pouvait pas se suicider. Mais combien parmi nous, là, on a déjà eu des pensées de suicide? À cause de la souffrance. Donc la petite échappatoire, c'est de se dire, Seigneur, tue-moi, c'est fini, je veux plus vivre, tue-moi. Mais dans ta souffrance, il y a quand même une chose, une petite chose, et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on se concentre sur le verset 8, bien aimé, c'est que Job, dans sa souffrance, il a quand même dit une chose. Il a dit, donc, même si Dieu me tue aujourd'hui, même si Dieu me tue à cet instant, il me restera quand même une consolation. Amen. Hein? Il dit, il me restera une chose. C'est que je n'aurai pas transgressé l'ordre du Saint.
J'aurais fait mon possible avec l'Esprit de Dieu, parce que nous, en tant qu'hommes, on ne peut rien. Mais j'aurais fait mon possible. Je me serais battu jusqu'au bout. Du bout. J'ai sué. En fait, c'est ce que je dis. J'ai sué. J'ai pleuré. Mais même si je meurs comme ça, au moins, je serai mort dans l'intégrité. Alléluia. Pourtant, sa femme lui a dit, maudit Dieu. Frère, bien-aimé. Il aurait pu se compromettre. Et très souvent, quand on est dans des situations compliquées, on va chercher les facilités, en fait. Parce que le diable nous propose plein de solutions. Mais Job est resté intègre. Il a perdu ses enfants, il est resté intègre. Et je vous dis, bien-aimé, la Bible, on a dit qu'elle est vraie. Donc ça veut dire que l'histoire de Job est vraie. Cet homme-là a existé. Et tout ce qui est écrit, il l'a vraiment vécu en live. Il l'a vécu en vrai. Tout ce qui est écrit dans Job, là, il l'a vécu. Mais il est resté intègre. C'est tout simplement pour nous encourager à nous confier en Dieu, à nous confier en Jésus. Regardez, le même Dieu qu'on a chanté là, on était content, on a chanté. Il est le même, il ne change pas. Le même Dieu qu'on a célébré là, dans la souffrance et dans nos larmes, il est là. Il est sur son trône et il ne bouge pas. Et il est toujours aussi bon. Il est toujours aussi beau. Il est toujours aussi merveilleux. Et regardez, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup gémi, mais au final, hein, on finit quand même par danser. Il y a un problème quelque part. On a tous dit un jour, j'abandonne. Là, Seigneur, je boude. Là, je suis fâché. Mes frères, on finit toujours par dire, bon, tu sais quand même, hein, Seigneur, hein, bon, tu vois quand même que, alors qu'on était là, on finit toujours par revenir à la maison. Mais pourquoi est-ce qu'on revient à la maison? C'est parce que lui, il ne bouge pas, assis sur le trône. Parce que l'essentiel, la vie, elle est là-bas, sur le trône. Elle est là, la vie. On pleure, on gémit, on souffre. Mais comme le fils prodigue, on revient toujours à la maison. C'est possible, frère. Ce Dieu-là, il est vrai. Et franchement, moi je prie, ma prière, hein, c'est que le Seigneur, hein, se manifeste encore plus au Gabon. C'est que là, en fait, parce que l'amour, en fait, on définit les actes que l'on fait envers une personne par rapport à l'amour qu'on a pour elle. Amen, hein? C'est-à-dire que quand on aime beaucoup quelqu'un, on va lui montrer aussi beaucoup. C'est vrai ou pas? Moi, je prie simplement que l'amour de Dieu augmente davantage dans le cœur de tout un chacun, frère. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est... La vie, c'est du concret. La vie, c'est pas du blabla, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas un Dieu de blabla. Dieu est un Dieu d'actes. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. On a le meilleur des pères. C'est le meilleur des papas. Il y a père et père. On respecte nos parents. Amen, hein, parce qu'on ne sait jamais quand même. Moi, je préfère quand même faire la précision. On respecte nos parents, on les honore. Amen, hein. Ils souffrent beaucoup pour nous. Mais bien aimé, on a un père qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez, un jour, j'ai essayé de comprendre Dieu. Je venais de me convertir. J'avais essayé de comprendre Dieu, en fait. J'ai dit, mais comment est-ce qu'un être comme ça, il peut m'aimer moi? Qui s'est déjà posé cette question? Mais comment il fait? Des fois, toi-même, tu t'aimes pas. Si toi, tu t'aimes pas, alors comment lui, il peut t'aimer? Et j'ai essayé de comprendre comment Dieu m'aimait. Vous voulez que je vous dise, hein? Ça m'a dépassé. La seule réponse que je peux vous donner, c'est ça m'a dépassé.
Quand on dit que Dieu est amour, c'est la vérité. Et l'amour avec Dieu, on le découvre tous les jours. Demain, je prie que je veux encore l'aimer. Je veux encore, je ne sais pas si ça se dit ici, hein, je veux encore le kiffer. Je veux être love de Dieu. Ah! C'est bien de tomber amoureux quand même. Parce que même dans la souffrance, tu vas quand même aller le prendre comme ça, pleurer comme un enfant en fait, tu vas le prendre dans tes bras. Ça c'est Jésus. Ça c'est notre Dieu. C'est lui qui a payé le prix pour nous. C'est lui. Donc je voulais vraiment nous encourager, frère. Tous nous encourager à tenir ferme. Le diable nous propose des solutions. Plein. Et je vais même vous dire une chose. Le diable nous propose plus de solutions que Dieu. Amen. Le diable nous propose plein de solutions. Mais Dieu n'a pas besoin de nous proposer plein de solutions parce qu'il a la solution. Dieu ne parle pas beaucoup. Il dit juste ce qu'il faut. La phrase, virgule, point. C'est fini. Il n'y a pas besoin de... Il dit, comme on a dit, hein, assis sur le trône, il parle et ça se fait. Frère, quand on regarde dans... Bien-aimé, quand on regarde dans Genèse, il n'a pas dit... Bon, que la mer, que les eaux remplissent la terre. Il n'a pas dit non, que les eaux remplissent la terre. Bon, non. Finalement, que... Non, il a parlé une fois. Quand vous regardez, c'est clair. C'est clair, limpide, direct. Je parle une fois et c'est bon. Voilà le Dieu qu'on sert. Et on va encore le découvrir. On va encore le glorifier. On va encore prier. On va encore l'aimer. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment tous ensemble? Parce qu'on est un corps, hein? Donc, si vous le souhaitez, est-ce qu'on peut ensemble un peu élever ce Dieu-là? Qui est d'accord? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Vous êtes d'accord? Juste lui dire, c'est... Vous savez, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein? Des fois, on cherche des mots compliqués pour dire adieu, on cherche ça. Des fois, on cherche à dire des poèmes. Ah, oh, Seigneur, tu es là, le miel de... Ouh! Oh, tu es l'azur qui descend sur la mer et qui remonte dans mon âme et qui frappe ma tête. Wow. Des fois c'est... on dit, mais Seigneur. Après, si Dieu nous inspire de prier comme ça, on peut le faire. Mais c'est juste pour dire, soyons simples. Même avec nos mots, là, même si tu parles pas bien, chacun parle dans son dialecte, chacun dit quoi que... Mais... Adorons encore le Seigneur comme on est et comme Dieu va nous changer parce qu'on n'est pas parfait et qu'on a tous besoin de changer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever juste ensemble et prier ensemble? Vraiment adorer vraiment ce Dieu. Passer vraiment un peu de ce temps-là avec ce Dieu qui est si merveilleux. Seigneur, nous voulons te bénir, Papa, te glorifier parce que tu es notre Dieu. Adonai, c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. C'est vrai, Seigneur, que tu connais nos vies. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, nos tribulations. Tu sais, Seigneur, ce par quoi chacun passe, Seigneur, ce soir dans sa vie. Seigneur, nous voulons simplement t'aimer encore. Nous voulons simplement, Seigneur, retourner à tes pieds. Seigneur, si quelqu'un s'est éloigné de toi, Seigneur, tu es le Dieu qui a toujours les bras tendus, les mains levées, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, nous ramener à toi et que nous revenions, Seigneur, véritablement à la maison. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre époux, tu es celui qui nous a pris avec lui. Et Seigneur, malgré les tribulations, malgré les attaques, malgré les troubles, malgré les calomnies, malgré, Seigneur, ce que les gens disent, malgré, Seigneur, mon Dieu, les oppressions, malgré, Seigneur, mon Dieu, que le diable se lève, Seigneur, nous savons que tu es Dieu ici. Seigneur, nous savons que tu es roi ici.
Seigneur, nous savons que c'est toi qui règnes, que c'est toi qui es assis sur ton trône. Seigneur, nous voulons simplement te faire confiance. Regardez à toi parce que tu es le seul juge, parce que tu es le seul Dieu, que tu as pour ceinture la vérité. Seigneur, nous voulons encore nous tourner vers la vérité, te dire que tu es grand, que tu es magnifique, ô Dieu, te glorifier et te rendre, Adonai, toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.